Salut et bienvenue dans cette toute première émission de Lifetime Gift avec Salvation of Christ sur Afrique Today. L'émission tant attendue est arrivée. Nous avons annoncé depuis plusieurs mois. Comme nous l'avons dit, cette émission va constater à nous guider à savourer la vie telle que le Seigneur la veut pour nous. Car dans Hébreux 4, 12, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Tour à tour dans la Bible, le Seigneur nous donne ses recommandations et à ses enfants de lire sa parole et de la méditer et de la mettre en pratique jour et nuit pour pouvoir réussir dans tout ce que nous entreprenons. Comme Josué 1:8 dit, « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Bien-aimé, je ne vois pas ce qui est difficile à comprendre dans ces versets. Tout simplement pour résumer, en ceci, tu ne peux pas réussir dans tout ce que tu entreprends si tu n'écoutes pas la parole de Dieu, si tu ne la mets pas en pratique, si tu ne la connais pas et si tu ne la médites pas jour et nuit. Dans cette même optique, le Seigneur Jésus-Christ a repris cette parole et l'a reformulée dans ses versets autrement quand il dit dans Jean 15, 5, « Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Nous savons tous que le Seigneur Jésus-Christ est la parole vivante et efficace de Dieu. Il est la parole qui a été faite chair et qui a habité au milieu de nous, selon Jean 1, 14 qui dit « Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Selon la parole de Dieu, sans Jésus-Christ, nous ne pouvons rien faire, nous ne pouvons pas réussir notre vie. Et c'est pour cela que notre émission Lifetime Gift va nous apporter les recommandations de Dieu et vivre une vie de joie, de succès, telle que Dieu l'a envisagée pour nous. Restez connectés avec nous et nous allons prendre la première question de notre émission. À tout de suite. Nous allons donc prendre toute cette première question de Lifetime Gift aujourd'hui. Les statistiques sont alarmantes sur le nombre de divorces qui ne cessent d'augmenter. Vu les taux de divorce et de stress dans les mariages, nous allons directement commencer avec les questions relatives au mariage. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question « Comment réussir dans un mariage ? Comment avoir un mariage heureux ?» Cette question aidera ceux qui sont en crise de séparation, ceux qui pensent à se marier ou même ceux qui sont divorcés et qui comptent s'approcher de Dieu pour les restaurer pour un éventuel mariage. Pour bien comprendre et réussir le mariage, nous devons d'abord comprendre que le mariage a été institué par Dieu lorsqu'il créa Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Dieu crée d'abord Adam et ensuite il dit qu'il n'est pas bon pour l'homme d'être seul comme dans la Genèse 2:18. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Le mariage est un lien sacré entre un homme et une femme qui s'engagent pour la vie. Dieu sait déjà qu'il n'est pas bon pour un homme ou pour une femme de rester seul. Marchant avec lui, il apportera dans votre vie au moment propice une personne avec qui vous pouvez vous marier. Le mariage a une dimension
spirituel ajouté à Dieu qui lie et qui maintient le bonheur conjugal. Sans la présence de Dieu, ce véritable bonheur ne peut pas être expérimenté. Vous allez dire qu'il y a des gens qui ne sont pas chrétiens qui sont heureux dans leur mariage. Mais comprenez aussi que vous pouvez vivre en couple et avoir la joie de temps en temps et être misérable d'autres moments et ne pas expérimenter ce bonheur conjugal tel que Dieu le Créateur Tout-Puissant a institué. Pour réussir un mariage, cela commence par le choix de son conjoint qui doit être en prière avec l'accord de Dieu dans les principes de la parole de Dieu. Très, très important. Si vous êtes chrétien et vous voulez épouser un musulman ou un bouddhiste et vous comptez vivre une vie chrétienne heureuse, vous avez déjà pris un mauvais départ et une mauvaise base qui conduira à une lutte perpétuelle que vous risquez de perdre. Même chose si vous épousez un non-croyant, vous risquez malheureusement d'être déçu, pareillement quand il ne louera pas Dieu avec vous au même titre. Plusieurs fois dans la parole de Dieu, il avertit à ses enfants de ne pas se mélanger avec des gens qui servent des dieux étrangers, ceci pour votre bien. Pour réussir un mariage, c'est au pouvoir de l'homme comme femme de faire son choix d'un conjoint avec des personnes qui vous accrochent déjà, avec vos préférences, mais surtout une personne au cœur de Dieu avec qui vous pouvez louer et glorifier Dieu ensemble pendant que vous reconnaissez humblement vos faiblesses. Plus un couple s'aime et a le regard tourné vers Dieu, plus il se rapproche et s'aime véritablement. Plus un couple a les yeux détournés de Dieu, plus ils s'éloignent l'un de l'autre et commencent à voir les imperfections, les différences et les défauts de l'autre. Et par conséquent, ça crée beaucoup de tensions où naît le mépris, l'insatisfaction, l'infidélité, les discussions sans fin et finalement la séparation et le divorce. Il ne suffit pas de dire qu'on est chrétien ou qu'on est marié à l'église. Il faut appliquer les principes bibliques de l'amour, de l'humilité, du pardon. Bien-aimé, pour réussir votre mariage, vous avez besoin de la présence vivante de Dieu. Vous avez besoin de vous approcher de Dieu et de vivre selon sa parole. Le Seigneur prône l'amour, le respect, le pardon et la fidélité vis-à-vis de votre conjoint. Surtout, restez en prière et en l'obéissance de la parole de Dieu dans votre vie et Dieu vous soutiendra, il vous transformera, il vous donnera le bonheur conjugal que personne ne peut vous donner en dehors de lui. On dit souvent que les couples qui prient ensemble demeurent ensemble. Pendant que vous êtes unis dans les liens sacrés du mariage et demeurant en prière, Dieu dans les liens du mariage est premier dans votre vie. Vous êtes bien parti pour réussir votre mariage. Bien-aimé, demeurez en Dieu et vivez le bonheur conjugal. Je prie aujourd'hui que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui est le Dieu Tout-Puissant, qu'il puisse vous bénir. Et si vous êtes en crise, je prie que le Saint-Esprit et le sang de Jésus reposent dans votre vie et vous donnent la paix et le bonheur tel que le Seigneur l'a envisagé. Nous allons donc clôturer avec quelques témoignages. Restez avec nous et nous allons vous revoir à bientôt. Merci. Je suis le pasteur Tim Toualin de l'Église évangélique du Cameroun, paroisse de femmes Goma-Pâtier, région des Hauts Plateaux, à l'ouest du Cameroun. J'ai connu Madame Nathalie Pasteur au travers d'une enveloppe. Un matin, j'ai reçu sa tante qui est fidèle de la communauté, me remettant une enveloppe dans laquelle
Il y avait son don de reconnaissance, le don de reconnaissance de la famille Ndomo. Et à côté de ce don, il y avait une carte de visite portant le nom et les différents numéros. Quelques temps après, je l'ai donc appelé, déjà pour lui dire merci. Merci pour avoir pensé que son don pouvait faciliter l'œuvre de Dieu dans cette communauté. Quelques temps après, j'ai eu la grâce de connaître son papa, Papa Frère Jean, avec qui nous avons longtemps dialogué. Et tout de suite, j'ai vu en ce papa une bénédiction de Dieu. Et en faisant le rapprochement avec le pasteur Nathalie, j'ai compris que elle était le cadeau de papa. Quelque temps après aussi, je l'ai appelé pour lui dire qu'elle a l'obligation de faire sourire papa à chaque moment, parce qu'elle est le cadeau de papa. C'est un papa qui ne saurait prononcer deux phrases sans remercier Dieu à chaque moment et dire merci Seigneur. Dans nos multiples causeries avec le pasteur Nathalie, elle m'a proposé de faire partie de ce groupe dénommé Salvation Love of Christ. Et quand j'ai essayé, j'ai compris que c'était un groupe de prière. En décembre passé, décembre 2018, je crois, oui, décembre 2018, j'ai reçu de ce groupe un paquet. J'ai dit un paquet parce que, avec cette somme d'argent qui était plus de 200 000, 200 000 francs camerounais, nous avons pu donner du sourire d'abord au culte d'enfants à travers les cadeaux, les lunettes, les bics, les crayons, des compas, des boîtes académiques, des cahiers et même des bouts de pain. Avec ces sommes d'argent également, nous avons pu donner du sourire à toute la. Toujours avec cette somme d'argent, nous avons pu donner du sourire aux fidèles à travers des paquets constitués de macaroni, de savon pour certains, de Pax. Et nous avons pu organiser un festin au presbytère autour duquel nous avons invité tous les fidèles, ceux qui pouvaient. Et nous nous sommes réjouis, chacun et chacune, en bénissant Dieu pour cette main tendue. Et à la fin de la réception, avec un ancien, nous nous sommes déportés auprès des malades. Cette fois-là, il fallait, dans chaque paquet, 1 litre d'huile raffinée, 2 paquets de spaghettis,
Il y avait du de macaroni, un peu de riz aussi. Et chaque fois que nous remettions à l'un des malades ce paquet, nous lui disions que ce paquet vient de leurs enfants, de ses enfants qui sont de l'autre côté des États-Unis, qui ont bien voulu qu'en ce jour de fête, de naissance et de Christ, que les ces malades se souviennent aussi qu'ils ne sont pas abandonnés, que ces malades retrouvent la joie en recevant ce petit paquet. Et je peux vous dire que une main tendue, surtout à un nécessiteux, un malade, a double effet. Le premier effet va réveiller la joie de ce malade, lui donner de comprendre que il y a espoir, il n'est pas abandonné. Et le second élément, c'est que celui qui donne le fait pour Dieu. Et l'apôtre Paul disait, il n'y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Ce que nous voulons dire, c'est que c'est un paquet qui vient du fond du cœur. C'est un paquet qui est donné pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi nous avons pu accompagner le culte d'enfants, accompagner les fidèles, nourrir une communauté et assister les malades en votre nom, au nom de Salvation. Et je voudrais profiter de l'occasion qui m'est donnée à travers cette vidéo, dire vivement merci, merci à mes frères de Salvation. Et prier le ciel de déverser sur chacun et sur chacune ses riches bénédictions. Que le Seigneur arrose vos différentes familles. Que le Seigneur tourne son regard favorable vers vous et arrose vos entreprises. Que le Seigneur vous donne la santé nécessaire pour continuer à poursuivre l'œuvre de ses mains. Que dit pour ceux qui regardent cette vidéo, j'en appelle à la prière. Hommes et femmes, je vous invite à vous mettre ensemble pour invoquer le nom du Seigneur. Le Seigneur Jésus le dit lui-même, là où deux ou trois sont rassemblés à mon nom, je suis présent. Et un adage de chez nous dit, une seule main ne peut pas attacher un fagot. C'est ensemble que nous sommes forts. J'invite mes frères et sœurs à se mettre ensemble pour dire merci à Dieu, pour le chercher, pour chercher la face de Dieu, pour le bénir et pour le célébrer. C'est même d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons été créés, pour célébrer Dieu. Pour terminer, je voudrais prier Dieu pour la santé de tous ses membres, les membres de Salvation. Et prier également le Seigneur, le Tout-Puissant, de continuer à donner la force nécessaire à son guide, le pasteur Nathalie. Et que la paix de Dieu vous accompagne. Merci beaucoup.